Quoi? Quoi? Putain! Putain, ça fait plaisir de te voir! Et salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui, nouveau vlog. Je vous emmène avec moi en répétition. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis batteur dans un groupe de musique de rock électro. On prépare un concert qui aura lieu le 20 juin et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour vous montrer les préparations d'un concert. Je crois que j'ai à peu près tout. Les baguettes sont là. Tout le reste du matos est au studio déjà stocké, il n'y a plus qu'à y aller. Donc tu veux pas que j'y aille quoi? Tu ne feras pas de sieste sur mes baguettes. D'habitude, on n'est pas dans celui-là. Mais c'est pas notre préféré. Ça, là, c'est le cerveau de Mason. Et ça, c'est ma batterie. Alors bon, là, c'est pas très praticable. On peut essayer, mais... Non, c'est pas terrible. On va la monter, et puis on la pète. Tu voulais jouer hein? Eh ben non. Tu vas la jouer, t'en fais pas. T'en fais pas, enfant. Julien! Oh! C'est pour rire! Oh! Ok! On fait défiler. Tu fais un par un, ouais, parce que j'ai besoin de me décrasser moi quand même. Ouais, pareil. Salut, bienvenue sur le blog de Julien Henry. C'est comme ça qu'on fait, je crois, quand on est youtubeur. Donc on a piraté son vlog, donc du coup c'est un nouveau concept. Je pirate ton vlog. Donc suivez-moi, petit pouce bleu, et on se voit bientôt sur la route. Posé, ouais, on veut bien être dans le vlog, ouais. Eh ben, il va être l'heure d'aller manger. Ouais, on va manger un truc gras. Si tu veux venir manger un truc gras avec nous ou pas? Oui, on se tâtait sur un grec. Ou un truc. Ah bah ouais. Ouais, un grec en bande organisée, tu vois. Ouais. Oh, ça va finir cette histoire. On va bouffer maintenant, les garçons, ça vous dit? Ouais. Ouais, ouais, comme ça, vous mangez ensemble. Carrément. Je suis réalisateur de vlog, qu'est-ce qu'en pense, Julien Henry? Ça fait bizarre quand c'est pas moi qui tiens la caméra. Une première boucle, je tourne. Une deuxième boucle, je serre. Lacet apparent pour un style optimal. Merci. Je t'en prie. Non mais tu arrête parce que c'est très sérieux. On va manger, voilà, c'est tout. Je me rends compte quand même d'un truc, c'est que t'as parlé tout à l'heure aux gens et ils savent même pas qui t'es. Je suis Loïc, je suis assistant non payé la plupart du temps de José au Forum de Vauréal. Place qu'a eu Julien Henry il y a quelques années. Absolument, on est tous les enfants de José. On est les enfants de José. Mais tu es aussi éclairagiste pour Mason. Ouais, on a fait le Trabendo quand même. C'est vrai. T'as fait le Trianon toi il y a pas longtemps. Ouais mais j'ai pas joué au Trianon. Non mais t'as fait des lumières. Je suis trop jaloux, je peux pas être à côté de toi à chaque fois. Non mais... Comme tel un oiseau curieux migrateur. Je suis pas sûr que les gens soient intéressés par cette conversation. Par contre, non. Je vais couper. Nous, on va chercher à manger. À tout à l'heure. Bah, attention, t'es suivi, mec. Ça. Allez, tout de suite. Hein. Bon, alors ici, bon, le tableau. Ici, c'est les pieds. C'est là, tu fais attention, c'est les marches. Hein. Donc, elles se suivent de façon parallèle, qui fait que normalement c'est assez régulier quoi, au niveau de la descente. C'est américain, je pense. L'escalier, tu crois que c'est américain? Ah, oui, je pense que c'est américain. J'en suis sûr. Ah, t'en es pas là, hein. Leaving you all alone, swim alone. Am I supposed to be alone? Oh.
turn to darkness. Rob alone. Did you know? Voyons donc le setup de Mason, qui est un petit peu particulier parce qu'on est donc deux musiciens. Ça veut dire qu'il y a Max qui est juste là, qui fait de la guitare, qui fait du synthé et un peu de chant. Et du chant, enfin, je sais pas pourquoi je dis un peu. Et moi qui suis à la batterie. Nous avons donc ces deux racks qui sont un peu le cerveau du groupe. Non mais vas-y, fais du bruit. Voilà, voilà, c'est serré comme, comme une g***** ça. C'est bon, je peux parler. Hein. C'est bon. Comme je vous disais, il y a toute une machinerie très complexe qui régit ce groupe. Nous avons Max qui fait chant, guitare, synthé. Le synthé que Max joue est envoyé dans cet ordinateur. Moi, je joue la batterie et cet ordinateur-là, qui est relié à une carte son ici, là. Tout ça est envoyé sur une console de son pour aller dans la façade, donc dans les enceintes de façade. Mais également dans cet objet ici là qui nous permet d'avoir des retours, des petites oreillettes qu'on a qui nous donnent donc le retour de tout ce qu'on joue, ce qui justifie un branchement un peu compliqué pour des gens néophytes. Ce que vous entendez quand vous venez en concert, c'est ce qu'on envoie donc de la batterie, de Max, de la carte son qui est là, qui envoie du son qui est envoyé par cet ordinateur là. Voilà, c'est pas si compliqué finalement. Sachant qu'on a aussi de la vidéo, mais qu'on ne l'utilise pas pour le prochain concert, mais on a de la vidéo de temps en temps sur certains concerts. On a un autre ordi ici. Cet ordinateur là envoie des tops à l'autre ordinateur qui est ici, via une connexion satellite, tout simplement. Et... par câble, je déconne, évidemment, c'est pas par satellite, aucun intérêt. Et l'ordinateur qui est là, donc, il relie à un vidéoprojecteur qui envoie la vidéo. Tout est contrôlé par lui, qui est un peu finalement le cerveau de Mason, quoi. D'ailleurs, on a appelé le Technodrome, merci Max. Alors, le petit détail, le truc qu'on me demande souvent, c'est... Ça, c'est donc mon siège de batterie. On me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est ce gros machin qu'il y a au niveau de ton cul ? C'est ma vie. Au niveau de ton cul, quoi. C'est mon cul qui est posé là. En fait, c'est un butt kicker. Alors, littéralement, en anglais, ça veut dire un botteur de cul, quoi, en fait. Un botteur de cul qui, du coup, consiste à envoyer tous les sons graves dans ce siège par des vibrations. Donc, c'est un moteur qui fait vibrer le siège, qui reproduit donc toutes les vibrations de la grosse caisse, de la basse principalement, et de tous les sons graves. Ça permet d'avoir en fait un confort de jeu, d'impression de jouer sur une grosse scène, même quand il n'y a pas forcément du sub. Ça te donne vraiment une assise au niveau des sons graves qui permettent de se repérer et de jouer mieux, accessoirement, normalement. Et là, oui, bah voilà. Une guitare, c'est tout ce qu'il y a de plus guitaristique. On est sur un changement de corde au niveau de la frette et du manche et de la cajou et de l'érable. Musicalement, dans une espèce d'optique de vouloir améliorer le son en évitant qu'une corde se pète en plein concert. Bien sûr. C'est déjà arrivé ? Non. Finalement, parce que peut-être tu es très professionnel. C'est ce que je suis, assez prévoyant. Mais ça m'est jamais arrivé encore. Si, ça m'a dû m'arriver, je frime un peu, mais en vrai, ça a dû m'arriver. C'est pour ça qu'on a des guitares spare, pour pas avoir changé les cordes tout de suite. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire spare, pour ceux qui connaissent rien ? Et ça veut dire qu'en gros, on a une guitare de secours au cas où celle-là a un problème. Parce que c'est pas que des problèmes de cordes, parfois aussi des problèmes de jack ou d'interférences ou de conneries dans les potards. Quoi que ce soit. Et c'est de la merde, et en concert, et ben, quand la chanson est en train d'être joué, il vaut mieux pas s'arrêter pour changer une corde et perdre 5 minutes quoi. Ouais, tu règles, donc c'est obligé. Il te donne la possibilité d'être juste, de la tonalité. Tu peux choisir de ne pas l'être. Je peux aussi choisir de ne pas l'être, oui. Je peux aussi ne pas l'utiliser et faire du basketball à la place. Du coup, ça accordera pas beaucoup ma guitare. Complètement con. Merci Maxime pour ce petit instant technique guitare. Mais attends, super. Mais attends, si on peut aider. Ok. T'as tout ? Ouais. C'est là. Ouais. Bon, c'est terminé. Maintenant, retour à la maison et puis je vais continuer à la maison, un petit peu de montage, je pense. Quand même une capacité de zoom assez impressionnante, hein. Bon, on pourrait prendre ceci comme une conclusion de vidéo, même si c'est pas... Il y a plus constructif. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Donc finalement, vous allez peut-être vous contenter du zoom. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Super, hein. Je crois que ne plus jamais refaire une fin de vidéo aussi nulle. Hein.